Salut, salut tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez superbement bien. Vous connaissez, c'est irritant. C'est irritant. Si tu as envie d'être ami avec moi sur Facebook, c'est Stéphane Aoui. Voilà. Je le dis rarement, mais je le dis dans cette vidéo-là parce que je suis très content. Parce que dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur trois artistes. Vous n'avez pas dit trois morceaux. Voilà. Est-ce que les fans d'Iba One sont là? Est-ce que les fans d'Iba One sont là? Est-ce que la team Gladia est là? Est-ce que les fans de Lil Iba sont là? Aïe, 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 la team Gladia, très frappée hier. Oh, je sais que ça fait vraiment mouche. J'ai découvert un artiste que je connaissais même pas dans la team Gladia. Je vous dis la vérité, je le voyais sur des photos avec l'artiste Iba One, mais bon, je ne savais pas qu'il était aussi tranchant. Est-ce qu'il y a des fans de Inos, Yopé? Est-ce qu'il y a des fans de Robinho, Mistounamissou? Voilà, asseyez-vous, parce qu'aujourd'hui, on est au Congo et au Mali. Max de partage, les amis, Max de partage. On se prend après le générique. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, à la base, je possède, à des firmes. Nous revoilà les amis, nous revoilà. Donc la team Gladia, on va patienter, hein. Je vais parler de Titiden, Liliba. On fait une vidéo parce qu'aujourd'hui faut qu'on fasse honneur au Congo. Voilà, j'ai envie de donner mon avis sur ces deux artistes là, pour ne pas dire sur leurs deux morceaux, Yope de Inox et Mistounamissou de Robinho, parce que ces deux morceaux franchement qui cartonnent et qui ont cartonné cette année 2019. Mais bien avant de parler de ces deux morceaux là, j'aimerais revenir sur une information très importante. Je vous avais dit que je lançais bientôt mon site de vente en ligne. Je précise que on va essayer de faire comme Amazon. Sur notre site de vente en ligne là, on va révolutionner ça. Tout ce que vous n'imaginez pas qu'on peut vendre, tout ce que vous n'imaginez pas, on va vendre ça là-bas. Tout, voilà. Ceux qui ont envie de voler le projet, vous pouvez voler, mais l'esprit est là. Voilà. Quand vous allez partir sur mon site web, vous allez comprendre que c'est du professionnalisme. Voilà. C'est pas de l'amusement, c'est pas des pics, c'est pas des pracs. Voilà. Donc restez calme, je vous donne seulement une petite semaine et je vais vous dévoiler le lien de mon site internet et vous donner le nom aussi. Soyez tranquille. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est de l'entrepreneuriat. Je suis avec un de mes potos et on va essayer de faire bouger les choses dans le système de vente en ligne. Voilà, je pense que on peut s'imposer, c'est pas impossible. J'ai une grosse audience ici. Si ne serait-ce que la moitié, franchement, s'intéresse à mon produit, à mon site web, à mon site de vente en ligne. Erito sera aussi quelqu'un. Bon, je suis déjà quelqu'un hein, grâce à vous. On connaît quand même Erito. Voilà, près de 100 000 personnes me suivent, c'est pas rien. Donc, merci déjà. Une autre information, c'est demain. Demain, il y a un concert. Pas n'importe quel concert. C'est le concert de Kejivara DJ. Vous voyez, Kejivara DJ. Monsieur 18 a vu chose, production. Zunga Porio, Papa Narafarey. Je ne sais pas comment je vais dire quoi. Franchement, c'est un événement à ne pas manquer. Voilà. Grand public, c'est 2000 francs seulement. Maintenant, si tu es un VIP, si tu es un VIP, que tu n'aimes pas te mélanger, c'est 10 000 francs le ticket VIP. Donc, ne te laisse pas rentrer l'événement, c'est demain au Palais de la Culture. 29 décembre, c'est demain. Voilà. Et c'est un concert de Kejivara. J'invite tout le monde, j'invite tout le monde. Parce que le Mimi de Bordeaux Likoufa a dit qu'il serait présent à ce concert-là. Donc j'invite tous les fans du Coupé Décalé à aller soutenir leur artiste. D'abord, on dira Kejewara et après, on verra le reste. Bref, je pense que on va revenir tranquillement. Je vais respirer un peu. Et puis on reviendra après. Voilà, bon retour les amis. Vous connaissez, c'est Erito, ça ne chauffera jamais. Aujourd'hui, j'aimerais bien donner mon avis sur Yopi de Inos, voilà le petit révolutionnaire de la musique congolaise, celui-là mais qui fait de l'afro congo et qui lui va très bien, voilà, qui lui réussit vraiment vraiment très bien. Cependant, il y a un artiste aussi qui me plaît beaucoup, voilà, peut-être beaucoup ne le connaissent pas, mais l'ont découvert avec ce morceau-là qui a cartonné, qui continue de cartonner aussi, Mistounamiso, lui s'appelle Robinho. Bon, je vais d'abord prendre Yopé de Inos. Vous savez, Yopé de Inos, c'est un morceau qui est intéressant à la base. Je ne vais pas vous mentir, très bien arrangé, très bien chanté, parce que le petit, il faut reconnaître, c'est un talentueux artiste, il est très fort, il chante très bien. Mais ce qui a fait la force de Yopé, c'est la chorégraphie. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, c'est la chorégraphie et on va dire le savoir-faire de l'artiste même. La manière de déhancher dans le morceau, c'est ce qui a fait les gens se sont intéressés à ça. Parce que regardez, généralement, même quand tu es en boîte, que tu as envie d'aller danser sur le Yopé de Inos, tu as envie de refaire la chorégraphie en fait. Vous comprenez un peu? Je dis bien que le morceau il est intéressant. Le morceau il est vraiment vraiment intéressant. Mais c'est la chorégraphie qui a transformé le morceau en un hit. Et mieux encore,
il y a eu la participation d'un autre poids lourd de la musique africaine. Et ce dernier-là, il s'appelle Diamond Platnumz. Voilà. Oh, lui, s'il a mis sa voix dans ta chanson, vous pouvez demander à Fally, vous pouvez demander à beaucoup d'artistes, à Flavor et consorts. En tout cas, ça a toujours donné. Voilà. Parce que son remix même a eu plus de visibilité même que le morceau original même qu'a fait Inos tout seul. Vous comprenez un peu? C'est ce qui a été l'élément déclencheur. Voilà. D'abord la chorégraphie, qui est très belle, qui est très bien à danser. Et puis l'apport de Diamond Platnumz. Franchement, le morceau, il est intéressant. Le morceau, il est vraiment, vraiment intéressant parce que la structuration musicale, il n'y a rien à dire. Pas trop de bruit. Les choses sont en place. Et l'artiste, surtout, sait chanter juste. Il sait chanter très juste. Voilà, c'est ce qui me plaît. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi, je vous avais déjà dit ici dans une de mes vidéos que Inos, c'est des tubes avant Yuppie. Voilà, c'est vrai que Yuppie a tellement cartonné. Ça a vraiment révélé ce jeune-là. Mais il y a un de ses morceaux où il a chanté. Il sait pas congolais, hein? Souffrez que je massacre un peu, voilà, le morceau du petit. Juste vous expliquer un peu ce morceau-là. C'est beaucoup, beaucoup de hits, mais comme Dieu sait faire les choses, Yop a vraiment cartonné. Et puis bon, ça a été le boom. Franchement, ne cherchez pas loin. Yop, je vous dirai pas que c'est une chanson basique, mais hein, c'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. L'artiste a déjà chanté, mais ce qui a fait que le morceau a cartonné et continue de cartonner, c'est parce que Diamond Platnumz a fait le remix et il y a une très très belle chorégraphie dans le clip de ce morceau-là. Voilà un peu. Voilà ce qui a fait, voilà ce qui a été les choses, voilà ce qui ont été les éléments déclencheurs. Voilà. Donc c'est un peu ça mon avis sur Yuppie. Mais comme je vous ai dit aussi, je vais vous dire mon préféré. Robino, Mitsunamisu. Robino est un artiste congolais aussi. Voilà, congolais que j'aime bien. Un artiste congolais, Dundumbolo, c'est-à-dire lui, il fait beaucoup plus dans l'ambiance. Voilà, Robino, c'est ça. Lui, c'est un animateur. C'est un vrai animateur. Il est un peu dans le style Fabregas et tout ça. Et son Mitsunamisu, ce fut un morceau planétaire. C'est un morceau qui a vraiment, vraiment, vraiment cartonné. Parce qu'on ne peut pas mettre ce morceau-là en boîte. À moins que tu viennes de rentrer dans la boîte. On ne peut pas mettre ce morceau-là en boîte et puis tu t'assois. Non, c'est impossible. Arrangement parfait. Le chanté de l'artiste, rien à dire. Mais bon. Il y a eu un peu quelque chose qui a ralenti. Le morceau a cartonné puis continue de cartonner, mais il y a quelque chose qui a ralenti. Vous savez, il y a des gestes un peu pervers dans le truc, dans le clip. Voilà, c'est la danse, hein. Mais dans d'autres contrées, dans d'autres pays, c'est vu autrement. Voilà, c'est pas trop bien vu. Donc, c'est ce qui a fait que le morceau. Bon, Yopé a pris le devant des choses. Sinon, Mitsunamisu de Robino est un hit. Un gros hit, même, je dirais. Parce qu'il n'y a rien à dire. L'artiste a tellement bien chanté le morceau. L'arrangement aussi a été tellement très bien fait que bon, il ne sait pas ce que je vais dire, quoi. Voilà. Et puis si moi, il y a un choix à faire, sans vous mentir, je reconnais en toute humilité que Yuppie, à l'international, est actuellement bien au-dessus de Robino Mitsunamisu. Mais franchement, moi, mon kiff, hein, mon kiff, sans vous mentir, si vous voulez, partez dans la barre de recherche YouTube, tapez Robino Mitsunamisu et puis écoutez le morceau. Mettez un casque. Ou bien écoutez dans un groupe cinéma, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est un hit. Le morceau est super, super lourd. Très, très intéressant. C'est surtout l'arrangeur qui a tué même. Parce que Robin, on le connaît en tant que grand animateur, il connaît son travail. Mais l'arrangement sur ce morceau-là a été tellement bien fait qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment, vraiment, vraiment rien à dire. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Donc, moi, si je fais cette vidéo-là, j'aimerais que vous me dites en commentaire. Écoutez-moi bien, j'aimerais que vous me dites en commentaire. Après bien avoir écouté Yopé de Inos, si vous voulez son remix ou bien l'original, allez écouter aussi Robino Mitsunamisu et venez me dire en commentaire, à votre avis, quel est le morceau le plus intéressant? C'est-à-dire, si on veut fermer les yeux sur les clips vidéo, écoutez seulement simplement les morceaux. Voilà. Je veux voir votre choix en commentaire. J'ai besoin de voir votre choix en commentaire. Voilà, parce que moi, franchement, j'accroche plus pour Robino Mitsunamisu. Maintenant, et vous, c'est quoi votre avis? Voilà. Les Gladiats! On s'attache maintenant. Liliba, à tout à l'heure. En prélude de la vidéo, j'ai dit une chose. Vous comprenez? En prélude de cette vidéo, j'ai dit une chose. Liliba. Titiden Liliba. On va dire à la limite, c'est la formation du grand, de l'empereur, du père des gladiats, du boss des gladiats, Ibawan. Vous savez,
Moi, j'ai découvert Yiba One il n'y a pas trop longtemps, on dira ça fait pas 2 ans, peut-être 1 an seulement. Mais j'en suis tombé amoureux parce que c'est un gros talent. Ça, faut pas, on va se mentir. Il a beaucoup de charisme. Il sait chanter sur toutes sortes de rythmes, que ce soit sur de l'afro, si ce soit sur des beats raga, sur tout ce que vous lui donnez, Yiba One va vous chanter mieux dessus. Mais hier, puisque je suis abonné à sa chaîne YouTube, je vois un morceau qui sort. Il dit, ah! Le Gladia, le père des Gladia, a fait sortir encore un tout dernier. Et puis, à ma grande surprise, je tombe sur un artiste du nom de Titiden Liliba. Franchement, il est super lourd. Le titre du morceau, c'est Le retour du prince de Kankoumoussa. Le retour du prince de Kankoumoussa. Partez dans la barre de recherche YouTube et tapez Le retour du prince de Kankoumoussa. Liliba, Le retour du prince de Kankoumoussa. Et puis, allez écouter le morceau. C'est un rappeur hardcore. Je ne sais pas s'il est fort comme ça sur tous ces morceaux, mais il m'a agréablement surpris. Parce que moi dans mon esprit, Ibawan, je me demande bien s'il y a quelqu'un qui sait rapper comme lui ou mieux que lui. Mais je vais vous dire la vérité, hein. Liliba est une très 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 belle relève d'Ibawan. Bien qu'ils sont tous les deux jeunes, on sait que Ibawan c'est le poids lourd, mais Liliba a tout son avenir devant lui. Est-ce que vous avez écouté le morceau? J'ai essayé de trouver une faille du début jusqu'à la fin, mais le gars il sait rapper en plus en Bambara. Et c'est ce que j'adore le plus. Il rappe en français parce qu'il n'est pas français. Il rappe en anglais parce qu'il n'est pas anglais. Mais il peut le faire. Mais vous voyez, vous ne trouvez pas que c'est majestueux de savoir aussi bien rapper en Bambara? Vous ne trouvez pas que c'est majestueux de chanter aussi juste sur les notes, sur le beat qui est en bas? Franchement, Liliba, respect. Je ne sais pas quoi dire, mais franchement, respect. Moi, je t'ai découvert hier seulement, comme je disais dans ma vidéo, au début. Je t'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je t'ai découvert il n'y a vraiment, vraiment pas longtemps. Voilà, à peine je t'ai découvert. À peine. C'est hier, moi, je t'ai connu. Moi, je te voyais seulement sur les photos et tout. Ça s'est limité à là. Mais tu m'as agréablement surpris. Vraiment, chapeau. Je vous invite tous à aller découvrir ce clip-là. Parce que le petit, il est. Non, pas le petit, le frère, on va dire, l'ami, il est lourd. Donc, tu as tué, il est pas, tu as tué, tu es dangereusement fort, tu es un super grand rappeur. Si vous pensez que je suis en train de mentir, faites ce que je vous recommande. Merci encore, ciao, ciao.